Salut les amis du Ciné-Club, nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, vidéo matinale, il fait encore nuit. Il n'est pas encore 8h du matin et là on est en partance vers la ville de Gand. Donc il faut savoir, Bruxelles-Gand, c'est plus ou moins 60 km. Donc vous me direz, qu'est-ce qui leur prend se lever un samedi matin pour se taper 60 km? C'est pour la bonne cause. Si on se tape 60 bornes ce matin jusqu'à la ville de Gand, c'est parce que là-bas se tient pour tout le week-end le salon de la FAX. Donc si vous êtes sur YouTube, la FAX, vous connaissez sûrement. Pour les autres, la FAX, ben, c'est le salon dédié au monde du comics, du manga, du jeu vidéo et surtout, et c'est là que ça nous intéresse, du cinéma, il est vrai, fantastique. Comme dans chaque convention, il y a des invités, je dois dire qu'au niveau casting pour le cinéma, cette année c'est très alléchant, surtout pour deux noms. Le premier est Christopher Lloyd. Si vous ne le connaissez pas sous son nom, je vous fais tout de suite un dessin. C'est le professeur Emmett Brown de la fameuse trilogie de Robert Zemeckis, Retour vers le futur, donc alias le Doc. Et le deuxième, est-ce bien raisonnable de le présenter, Christophe Lambert, star incontestable dans les années 80 avec des films comme Subway, Highlander, Greystoke, la légende de Tarzan, ou pour les plus jeunes d'entre nous qui vont nous accompagner ce matin, Mortal Kombat, le film tiré du jeu vidéo. On est très excités à l'idée de les voir, mais avant ça, on doit monter l'Everest, c'est-à-dire des trams, un train, éventuellement un bus, des files d'attente interminables, on sait à quoi s'attendre, donc on n'y est pas encore. Il est, comme je dis, 8h moins quart, donc d'ici quelques minutes passe le premier tram, donc je propose de faire une petite pause dans la vidéo et de se retrouver tout de suite dans le train. Tout de suite. Ben voilà, c'est ce qui nous attend. Filme un peu le topo. On n'est pas encore dedans. On y va ? Filmer dans le train trop rempli du monde partout, ça n'arrête pas de rentrer, donc on fait vite l'intro, je vous montre un peu, on est reçu par le géant ici, tu peux filmer.
et on fuse à la quatrième vitesse faire la file devant les deux Christopher, Lambert et Lloyd. Bon, le premier c'est fait, voilà. Ça a été plus ou moins une petite demi-heure de file. Par contre, pour celui-ci, que j'ai envie de faire signer, là on va rigoler, quoi. Voilà, ça valait la peine d'attendre. Donc il m'a juste dédicacé le. Et ça c'est super beau. Sur la bagnole. On le regardera plus tranquillement à la maison. Maintenant, une bonne bière.
L'impression, franchement, super fatigué. Je suis épuisé, vraiment limite pénible, je vais te dire la vérité. C'est vrai que on sort d'ici, donc on se lève déjà super tôt le matin. On sort d'ici, on prend le tram jusqu'au train, à la gare. Là, on arrive, le train bondé. On arrive sur Gand, la navette qui nous amène au Comic-Con. On faisait la file. Au Comic-Con, pardon, au FAX.
bondé. Ouais. On arrive au Flanders Expo, c'est le nom de l'endroit où avait lieu la convention de la FAX 2019. Bondé. Une fois qu'on parvient à rentrer, il faut vite courir jusqu'à l'endroit où sont donc les acteurs, où vous imaginez bien, je vous le donne en mille, bondé également. Et bon, le tarif, c'est une demi-heure pour une grosse demi-heure pour Christophe Lambert de Phil. Et une bonne heure bien passée pour Christopher Lodge. J'ai même envie de te dire 1h30. Ouais, parce que j'ai fait la demi-heure que t'as fait chez Lambert, je l'ai fait. Parce que on s'est divisé en deux. Ouais. Donc moi j'ai fait une première demi-heure. Après t'es resté jusqu'à la signature, une bonne 45 minutes après. Tu sais. Oh ouais ouais, on a joyeusement passé l'heure. Et une fois qu'on a eu les précieux objets, donc les précieux souvenirs, on vous montrera ça à la fin de la vidéo. Il reste les stands, les échoppes, les commerçants là-bas sur place. Et moi franchement, là aussi je peux pas dire que, en tout cas moi personnellement, je n'ai jamais trouvé là-bas sur place la pièce rare à un prix exceptionnel, quoi. Donc je sais pas, peut-être que c'est arrivé à d'autres personnes. Moi personnellement, on a fait un tour là-bas sur place et je n'ai rien vu d'exceptionnel, je n'ai rien trouvé autre que ce que je trouve d'habitude sur le net, et j'ai même envie de te dire à un prix peut-être même un peu plus cher. Donc on peut pas dire qu'on a des prix salons. Et tu me disais, Andrés, toi qui y vas quand même depuis quand même plus longtemps que moi, toi ça fait quand même 4-5 fois que tu vas 4-5 fois à la fac. Et tu me disais clairement, ça en devient répétitif. Répétitif et moins de choses à voir, moins de choses à moins de. Par exemple, il y a la partie où ça s'appelle Fan Village. Ouais, j'allais t'en parler. Ouais. Voilà, justement, Fan Village. On a retrouvé que du Star Wars et du Harry Potter. Et après le reste. Alors que dans le temps, comme je te disais, quand je suis allé la première fois, que je te disais, ouais, tu connais ça. Enfin, la première fois, il y a 3 ans, ça c'est il y a plus de 3 ans maintenant. Mm-hmm. Je te disais, ouais, il y avait un stand Jurassic Park, il y avait un autre stand Batman et super-héros. Ah, okay, ouais. Il y avait un autre stand la Gremlins. Enfin, toutes ces photos que c'est sur le site, notamment sur le Ciné Club. Il y avait beaucoup plus de choses, beaucoup plus. Enfin, c'était différent. C'était beaucoup plus varié. C'était beaucoup plus varié, c'est ça. Ouais, non, et là, on se retrouve avec moitié Star Wars, moitié Harry Potter, et le reste manga. Mm-hmm. Je veux bien, mais si au lieu d'avoir plus de choses, beaucoup plus de choses comme dans Comic-Con, t'avais partie jeux de laser, des drones. Enfin, c'est un peu plus varié Comic-Con que FAX. Et comme tu dis, c'est de moins en moins. Quand j'ai vu l'arrière qui était vide, je me suis dit, il se passe quelque chose. Oui, il y a un espace. Il y a un espace à l'arrière. Limite, un entrepôt tout vide, ils auraient pu encore mettre des... Exactement, c'est ça que moi je me disais. Ça devient beaucoup plus petit, beaucoup moins... La DeLorean qu'on a filmée, magnifique, mais bon, pourquoi... On peut pas rentrer, on peut pas même... On en revient à chaque fois à la Comic-Con. La comparaison est obligatoire. Ouais, hein, c'est les deux salons qu'on connaît. Les deux salons ici en Belgique qu'on connaît, nous. Et je me souviens que c'était pour une histoire de 5 euros. 5 euros, exactement. 5 euros, tu t'asseyais dedans. Ouais. Photo, donc ils te mettaient des accessoires. Même, je sais pas si t'as remarqué, une casquette. Et la casquette de... Ouais, c'est juste. De Marty McFly. Donc je me souviens. Donc il te prêtait, bien évidemment, ils vont pas donné la casquette, mais il te l'a prêté, donc t'étais dans le volant. Pour la photographie, hein. Et pas donc il y avait aucun souci, ils mettaient même le choix des effets lumière et tout, enfin bref, il y avait beaucoup plus de trucs dans la Comic-Con comme dans la FAX, désolé, mais FAX c'est devenu pour moi, c'est de moins en moins, et je le trouve, enfin point de vue chose à regarder, c'est de moins en moins, même dans le côté jeux vidéo, c'est plus rien. C'est un autre domaine, mais il y a également aussi, comme dans toutes les conventions, les cosplays. Ah, les cosplayers. Moi, franchement, un respect énorme, parce que bon, j'ai un respect énorme pour eux, parce que c'est quand même des artistes qui fabriquent eux-mêmes leurs costumes. Et je trouve ça génial qu'ils aillent le temps d'un week-end
prendre un bain de foule dans la peau de leur héros favori. Moi, je trouve ça franchement génial, mais là aussi, répétitif. Mmh. On va finir par faire leur connaissance. Ouais, à force de les croiser, à force de les croiser, de les voir. Et puis on en vient aussi, c'est malheureux, les tarifs, quoi. Ça. Ah, c'est ouais. énorme. Pour moi, il y a deux façons d'aller à ce genre de convention. La première, c'est comme nous y allons. Donc, c'est-à-dire avec l'idée d'avoir un autographe, une dédicace d'un des acteurs invités. Ou alors d'aller en mode cosplay, comme je viens de l'expliquer, prendre un bain de foule, se faire profiter, se mettre dans la peau de son personnage, j'insiste, je trouve génial. D'ailleurs, on a fait un album là-dessus, nos plus belles rencontres cosplay dans les salons, sur Facebook, vous pouvez aller les voir. Mais voilà, si les gens vont comme nous y allons, donc avec l'idée de rencontrer une star de cinéma et de demander un autographe, j'ai vite fait le calcul en imaginant le déplacement, le ticket d'entrée plus les dédicaces, on en est joyeusement à 150 € minimum. Et avec ça, vous n'avez pas encore pris une boisson et encore moins déjeuner ou manger, quoi. Ouais, donc c'est très cher. Et niveau invité, c'est peut-être la belle éclaircie. Il me semble que on commence finalement à voir des acteurs un peu plus reconnus. C'est plus vraiment des deuxièmes rôles. Moi, je te l'expliquais souvent, dans les années 80, Christophe Lambert était reconnu comme un Mel Gibson peu de temps après. C'était quand Highlander était sorti, c'était vraiment une star. Et puis bon, pour une fois, moi, c'est la première fois que ça m'arrivait, je tombe carrément, en tout cas là, dans ce genre de convention, sur un acteur, une vraie tête d'affiche, quoi. Donc, Christophe Lambert, c'est quand même une tête d'affiche dans le monde du cinéma, en tout cas à l'époque. Donc c'est à espérer qu'on tombe sur d'autres acteurs plus reconnus, notamment dans notre prochaine visite. La prochaine visite qu'on fera au mois de février. Donc février pour la Comic-Con. Là déjà, c'est plus près. Donc on doit pas prendre de train ni de navette. Pas trop. C'est vraiment le tram de la porte à l'entrée du Comic-Con. Et là donc ça rejoint un peu ce que j'étais occupé à te dire, parce que j'ai ici, je regardais là tantôt sur le GSM les invités, et donc on va vite jeter un coup d'œil. Et niveau invité, nous avons, si je tombe dessus, oui, voilà. Donc nous avons Sean Austin, que tu as déjà vu, toi, déjà, à la fax, par contre, oui. Ouais. D'ailleurs, j'ai un bel autographe là, en mode Seigneur des Anneaux. Là, je demanderai en mode Mickey des Goonies. Nous avons également Warwick Davis, donc c'est le petit nain de Willow. Quand je parlais de tête d'affiche, faut le dire, à l'époque, quand Willow est sorti, il partageait l'affiche de ce film avec Val Kilmer. Donc c'est quand même déjà assez reconnu. Surtout celui, il a le rôle principal. Il a le rôle principal. avons... Petite parenthèse, L'Homme Porchaume aussi, mine de rien, c'est un film d'horreur un peu... Ouais. C'est lui aussi qui fait la tête d'affiche, c'est lui le méchant dans ce film. Nous avons ici, je vois aussi, Claudia Wells, qui est la petite amie de Marty dans Retour vers le futur, qui sera présente. Donc on reste encore un peu dans l'ambiance... Deuxième rôle. Zemeckis, ouais, c'est vraiment un troisième rôle, vraiment, là... On reste toujours sur les Retour vers le futur, quoi. David Bradley, pour les fans d'Harry Potter, toujours... Il y a toujours quelqu'un d'Harry Potter. Il y a toujours quelqu'un. Mais on sait que c'est de la valeur sûre. Donc, comme je t'ai dit, j'étais un peu dégoûté dans le salon. Il y avait la moitié des gens, c'était cosplay, c'était Star Wars.
Et l'autre moitié Harry Potter, quoi. Arrêtez, c'est bon. Et ceux qui veulent faire un peu la différence, on les reconnaît. Par exemple, le gars qui fait, là, t'avais vu Freddy, non? Ouais. Le gars super bien fait. Et celui-là, ça fait 5 fois que je le vois, je le croise. Et tous les ans, enfin, voilà, tu vois, c'est du revu et du revu. Le gars qui fait Pirates des Caraïbes, ça, on le voit dans tous les Comic-Con, il est là. Ah ouais, c'est... Mais j'insiste, un grand respect. Ici, un autre, Bernard Hill, donc c'est le fameux roi fou dans Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, et surtout le capitaine du Titanic dans le film de James Cameron. Donc voilà, ça fait quand même pas mal d'acteurs, donc pas mal d'argent non plus. Il y avait une autre que j'ai vue ici, c'est vraiment pas mon genre de délire. Voilà ici, Holly Marie Combs. Donc comme ça, de nom, ça dit rien. En fait, c'est la jolie brune qui travaillait dans la série Charmed. Donc, elle était très jolie à l'époque. Je pense qu'elle est toujours aussi jolie. On irait quand même jeter un coup d'œil, peut-être pas demander un autographe parce que c'est pas le genre. Mais bon, par curiosité, je l'ai vu tellement de fois passer à la télé. Oui, c'est une série qui a. Ouais, c'est une série qui a assez bien marché dans les années 90, je pense, ça plutôt. 90-2000. 90-2000, ouais. Donc, on sera à la prochaine Comic-Con, donc en février. 2020 déjà. Nous ne ferons pas de vidéo là-dessus parce que, comme tu le dis si bien, Andrés, tout cela est vachement répétitif. C'est des files d'attente et des files d'attente et des files d'attente. En plus, on l'a pas dit, mais c'est vrai, on ne peut même pas filmer l'acteur, donc c'est pas vraiment très nécessaire de faire une vidéo. Enfin, on tenait quand même à en avoir une. Ce qu'on fera, c'est comme on a l'habitude de le faire. Shooting photo et vous pourrez bien sûr, vous, si vous êtes abonné sur notre groupe Facebook, retrouver les photos des prochaines conventions à venir. Vous me direz, tout cela est assez contradictoire parce que vous dites que c'est long, que c'est assez éprouvant, que c'est cher, que c'est répétitif, mais vous y allez quand même. Vous me direz, nom d'un chien, pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'on est cinéphile, moi personnellement passionné, et c'est la seule occasion que nous avons de pouvoir approcher ces stars le temps d'une minute, le temps d'une poignée de main, d'échanger quelques mots, d'échanger un regard et d'en garder un souvenir comme celui-ci par exemple pour la vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, lâchez-nous un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On a plein de nouvelles vidéos qui devraient arriver prochainement, entre 5 et 6. Je ne sais pas combien, mais on va en faire un max. On a plein d'idées. Vous pouvez également nous retrouver sur notre groupe Facebook, Instagram, et sur Amazon dans la rubrique commentateur, où de temps en temps j'écris, à chaque fois que je vois un film, j'écris un petit commentaire, je m'approche là tout gentiment des 200 commentaires. À très 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 bientôt, ça devrait pas tarder. Salut et bon cinéma à tous. Ciao.